Salut, on est lundi 26 ou 27 février, je crois, et nous voilà dans un nouveau vlog. Alors, donc, si je reprends où j'en étais la dernière fois, j'avais fait mes premiers tests pour mes petites cartes mantra, qui n'étaient pas très très concluants, et donc j'avais refait un tirage et je vous avais laissé là-dessus, je crois. Il se trouve que les derniers tirages étaient parfaits. Donc j'ai trouvé mon temps d'exposition, j'ai tout ficelé, tout est bon. Et donc j'ai mis ça en ligne samedi midi, un truc comme ça, je crois. Et vous avez été très nombreux à acheter votre petit jeu, donc j'en ai plein à tirer là. Ça tourne depuis samedi midi non-stop, toute la journée. Parce que chaque tirage, chaque jeu me demande à peu près 40 minutes d'exposition, à peu près. Parce que je peux tirer qu'un demi-jeu à la fois. Tout ne rentre pas dans mon main souleuse, il me faudrait une plus grande plaque de verre, et là j'en ai pas sous la main. D'ailleurs c'est mon minuteur qui sonne pour que j'aille enlever un tirage. Je reviens. Donc voilà, je viens d'en lancer une nouvelle petite session pour 20 minutes à peu près. Voilà, pour l'instant j'ai 4-5 jeux qui sont prêts et j'en aurai une vingtaine à préparer pour vos commandes et puis pour avoir un tout petit stock, vraiment tout petit, histoire de pas courir après ma machine dès que j'ai une commande. Et voilà, donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Là comme ça, je pense que ça, voilà, vous allez pas trop vous rendre compte. Je vais vous montrer les photos de ce que j'ai pris samedi midi pour faire ma fiche produit. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu, mais bon, vous n'allez pas tout voir d'un coup, hein. Le mieux c'est d'aller voir sur ma fiche Etsy ou sur mes posts Instagram, mais voilà, vous avez 18 cartes comme ça. Maintenant, je dois préparer, finir de terminer, de préparer tous les petits cadeaux que je vous glisse avec ce jeu dans votre petit pochon. Donc le jeu sera présenté comme ça, dans un petit pochon en toile de jute, avec une petite étiquette rappelant le nom de ce kit de cartes. Et puis dedans, je vous glisserai sachet de thé, petit gris-gris, brin de lavande. Ça sera en fonction de mes envies. Et puis voilà, ce sera la surprise pour vous. C'est des petits goodies en plus comme ça. L'important, c'est quand même le jeu. Je le propose au prix de 27 € pour donc ces 18 cartes-là qui sont... c'est vraiment pas des impressions faites par un imprimeur. C'est vraiment des cyanotypes que je tire à la main. Chaque jeu donc est unique parce qu'il aura sa variante de bleu, ces petits aléas du cyanotype, vous voyez, comme, voilà, comme des cyanotypes, quoi. Donc voilà, chaque jeu est unique. Et puis, ben, j'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Alors, pour les gens qui sont dans le coin, je vais avoir une date le 19 mars au Taillant-Médoc. Un petit marché de créateurs sur le dimanche. Je crois que c'est un dimanche, le 19. Donc pour ça, il faut que je me fasse un peu de stock, mais peu. Hein. Je vais miser sur les cyanotypes, les coupelles, la papeterie, un petit peu de boucle d'oreille, et puis c'est tout. Un peu de marque-page, enfin voilà, peu de choses. Un peu de peinture, mais pareil, pas énormément. Parce que je pense que mon stand sera assez petit, donc ça sert à rien de charger trop. Voilà, ma journée d'aujourd'hui, c'est d'empacter toutes vos petites commandes de cartes mantra et autres commandes, parce qu'au passage, il y en a eu d'autres. Merci, d'ailleurs, pour tous ceux qui sont passés par ma boutique. Donc voilà, là, ça va être un peu ma mission du jour, et entre deux tirages comme ça, terminer un stock de boucles d'oreilles et commencer un nouveau stock de broches. J'ai eu,
j'ai un contact avec un nouveau point de vente et j'ai un autre point de vente qui m'achète du stock qui est revenu vers moi ce week-end et qui a besoin de stock. Plus mes points de vente habituels qui vont pas tarder à m'en demander. Donc là, c'est le moment d'en refaire encore. Hein. Voilà, pour les réjouissances du moment. Donc mercredi 1er mars, ce matin j'ai posté 7 de cartes mantra. J'en ai encore 3 je crois à préparer pour des commandes. Mais j'ai repoussé un petit peu le délai de livraison. Parce qu'en fait c'était resté pour mes envois à lettres suivies, j'avais laissé 1 à 3 jours ouvrés ou 1 à 2 jours ouvrés. Enfin, en tout cas trop court pour pouvoir tous les fabriquer. Parce que j'avais pas de stock d'avance, forcément je l'ai fait un petit peu à la commande. Donc là je me suis retrouvée à devoir tout produire là tout de suite là. Donc c'était un peu compliqué là les derniers jours. Donc là j'ai repoussé un petit peu et donc j'en ai d'autres à faire, mais je vais pouvoir prendre un peu plus le temps. En tout cas merci pour l'accueil que vous avez fait à ces petits jeux, c'est très cool, ça fait plaisir. Alors la petite chose que j'ai préparée aussi avant-hier, c'est une version en anglais. Donc voilà, c'est exactement les mêmes cartes. Il y a peut-être une toute petite différence au niveau des négatifs, j'ai peut-être fait des petites retouches. Mais voilà, les visuels sont les mêmes et puis on a la version anglaise est enfin donc disponible. Voilà, je sais pas si je vais avoir beaucoup de commandes à l'étranger. J'ai des commandes à l'étranger pour d'autres articles. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'avoir une version anglaise. Voilà, j'ai quelques clientes fidèles qui sont un petit peu en Allemagne, j'en ai un peu aux États-Unis, tout ça. Donc je me suis dit que peut-être ça pourrait les intéresser. Voilà, donc ce matin j'ai encore des commandes Etsy à faire. J'ai un calendrier, des marque-pages, des carnets, voilà, plein de petites choses à emballer et à envoyer. Et ensuite je m'attaque à un stock de broches, voilà.
Et puis je crois que bah, ça remplira ma journée parce que ce stock de broches, il faut vraiment que je le termine assez vite. Comme je disais, j'ai un point de vente qui m'achète du stock et elle veut des broches et j'en ai plus du tout, du tout, du tout en stock. Donc voilà, il faut que je m'active là-dessus. Et puis, bah, écoutez, ce sera tout. Si je vais aussi, donc comme je disais, tirer d'autres... je vais aussi prendre de l'avance au niveau des cartes mantra, me tirer plusieurs jeux d'avance. Voilà, histoire de ne pas courir après le temps quand on en commande un. Et j'en ai d'avance. Mais ils sont un petit peu plus clairs, ceux-là. Ils ont été exposés un poil moins longtemps. C'est léger hein, la différence, mais moi je la vois. Et ceux-là, je pense que je vais les garder pour les ventes en direct. Voilà, comme ça il n'y aura pas cette histoire d'écart entre ce que je vous propose sur ma boutique Etsy, le visuel que je vous propose et ce que finalement je vous envoie. Je vous envoie vraiment les plus contrastés qui collent le plus possible à la photo de ma fiche produit, même si je précise dans la description que les bleus peuvent varier en fait. Il peut y avoir une petite différence entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous recevez, ce qui est normal, parce que d'une, l'affichage écran n'est pas forcément le même chez moi et chez vous. Et en plus, ben ça reste du cyanotype, et le cyanotype, c'est aléatoire. Même si j'ai ma machine, tout ça, avec un même temps d'exposition, des fois, il suffit que le rinçage soit un peu différent, il suffit que... voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et donc voilà, je préviens, mais bon, je préfère quand même être le plus proche. Donc j'en ai quand même 3 d'avance pour le marché que je vais faire le 19 mars. Je vais en préparer un petit peu d'autres. Et puis, ben voilà, écoutez, à l'attaque.